On m'a reproché lors de la dernière vidéo de pas avoir fait les voix. Donc Wolf, on a mal joué notre rôle d'acteur. Il faut qu'on soit plus dedans. Donc bah, je vais faire la coordination et toi tu vas bien doubler ton personnage. Ça... Ok? Ouais, Allez. On on est y parti. va. Allez, c'est parti. Stan Disque est mort, ces bâtards. Je suis désolé les gars, mais vous n'allez pas encore pouvoir vous coucher. On me signale des coups de feu au centre scientifique de Taïwan. C'est amusant. Le centre scientifique de Taïwan est dans le même bâtiment que le laboratoire externe qui fait nos analyses. Le responsable essaie clairement de se débarrasser des preuves d'hier soir. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Ça, c'était le briefing de la coordination. Donc, on a un nombre de suspects de 12, un nombre de civils de 5. Et la difficulté de la mission, 6,5 sur 5. Facile. Allez, on s'équipe. Je vais prendre ça. Je vais enlever le spray qui me sert pas à grand chose. Bah si, ça te sert. À quoi? Bah, à mourir surtout. À rigoler, ouais. Je sais pas pourquoi je prends la manette pour y jouer. J'ai sorti ma manette, je l'ai branchée. Aucune idée. Bref. Mais c'est pour ça qu'on perd tout le temps. Bon, je vais prendre des fumiers, on sait jamais si on en a besoin. T'es prêt? T'es prêt. Ouais, John. Avant de commencer, Ouais. je vais me mettre au courant. Il nous arrive parfois d'envoyer des preuves ici pour les analyser. Cet endroit est très secret. Peu de gens sont au courant, même au commissariat. Donc, pour revenir à ta question, quiconque s'attaque à cet hôpital cherche à se débarrasser des preuves de l'attaque contre les studios Primrose. Mais tu dis que presque personne ne sait qu'on travaille avec ce labo? Comment peuvent-ils savoir où il se trouve? J'en sais rien, pour l'instant. Nous le déterminerons après avoir géré la situation. Ok, je te demande juste 2 secondes. C'est bon. Ah merde! Get down. Attends, il y a un truc qui va pas. Faut que je regarde un truc sur mon téléphone portable. Comment ça se fait? Non, normalement c'est bon, Splinter Dead. C'est bon. Merci. Hands up. Hands up. Attends, je revois mes classiques. Stand down. Hands up. C'est bon. Ah non, ça marche pas ça. Ok. Il y a un truc qui va pas, John. Qu'est-ce qui t'arrive, John? Rick, attends. Regroup on me. Heads up! C'est bon, Rick. C'est toi, Rick, ou c'est moi? C'est bon, on peut y aller. Allez, j'ouvre. Get down! Please, drop your weapon! Oh, bâtard! John! Eric, je vais recommencer, mais tu sais quoi, j'ai fait un T'as fait un cauchemar. cauchemar. Vas-y, tu peux ouvrir. Enfin, tu connais le cauchemar, quoi. Heads up! Police, drop your weapon. Fais gaffe au couloir. Heads up! Heads up! Personne pour l'instant. Get down now! On check cette pièce. Oh, un petit copain. Ouais, t'es prêt, John? Vas-y. J'ouvre. Get down now! Ah, je suis blessé, Rick. Je me soigne. Il m'en a mis une dans le bras, ce bâtard. Et on va voir là où ce qui se passe. Fais gaffe. Ouverture de porte sur ma droite. Traité. S'il. Tiens, fais gaffe, y'a un Pax là-haut là. Attends.
down! Hands in the air! Get down! Get down! C'est bon. Je le neutralise. Je lui mets les menottes. T'as menotté la civile? Bien joué, John. Ouais, c'est fait. J'arrive pas à respirer. Moi, j'ai mis quelques coups de crosse, mais il a rien vu. Personne, John. Ok, allons-y. Ok, un suspect derrière la porte. Ok, tu veux qu'on fasse comment? Flash? Si tu veux, on peut lui laisser un petit cadeau. Allez-y, vas-y. On les a pas emmenés pour rien. Get down now. Bien joué. Get down. Get down now. Get down. Your hands up. Oh. Oh non! Oh John! Ah le bâtard! Les coups de crosse, il a... Bref, j'ai fait une bavure. Merde, on était pas trop mal. Vas-y. Hands up! Eric, j'ai fait encore un cauchemar. Hands up! Suspect. Il s'est débarré. Get down now! Get down! Get down now! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Il a buté. John! Oh, ils sont chauds bouillants quand même. Ça n'en veut bitch! Pardon. Get down now! Hands up! Ils veulent pas se rendre, hein. Ils sont déterminés. On va y arriver. Il y a un mec qui s'est barré là-haut, armé, il y a un Uzi. Oh, fais gaffe sur le côté gauche. Il laissait tomber son arme, il l'a récupéré. Allez, où son arme? Menote-le. Il y a toujours l'autre là-haut, là. Ok, c'est sécurisé. Civil sur la droite. Je sais pas où il est parti, hein, l'autre. Poussez-vous, civil. Ok, il est là, il nous attend. Ok. Il a pas l'air commode, lui. Tu veux lui faire un petit cadeau? On va arranger ça. Allez, vas-y. Il était costaud, hein. Il a même pas été surpris par ton explosif. Vas-y, tu vérifies. Oui. Civil. Ok. Joue. Get down now. Hands up. Hands up. Et là, il y a un mec au fond à gauche là. Putain, civil à droite. Okay. Je m'occupe du civil à droite là, il a pas l'air de coopérer. Un petit coup de crosse, il coopère. Bien joué. Tu l'as menotté elle? Ouais. C'est quoi là-haut là? C'est une expérience? C'est un robot? Qu'est-ce que c'est, Eric? Je sais pas. Ils font des expériences dans ce laboratoire. Je sais pas ce qu'il faut. Il y a un truc bizarre. Surtout dans les vestiaires, quoi. Get down. Ouais. Voir côté gauche. Get down now. T'as rien fait, mais lâche ton arme. Get down now. Get down. Get down. Oui. Get down. Hands in the air. Recharge. Get down. Oh, John. Lui il est chaud, il réagit au quart de tour. On va y arriver, on va y arriver.
On les... Vas-y, Rick. Get down! On the ground now! Get down! Hands, hands up! Hands up! Vas-y, je les menotte. T'as chié dans ton froc, hein! Put your hands up. Oh putain! On y retourne, Rick. Et Rick a encore fait un cauchemar. C'est toujours le même. C'est toujours le même cauchemar. On va y arriver un jour ou pas? Putain, il m'en a mis une. Ah, je me soigne. Je crois que tu l'avais neutralisé. En fait, c'est pour ça qu'on perd le RP, on se concentre après, en fait. Non, on va regarder le RP. Attends. Un peu de concentration, monsieur. Fais pas le con, John. Rick, non, je sais pas comment tu t'appelles. On va y arriver, on va y arriver. Oh non! Il a buté une civile! Ok, je vais traverser. Je suis un peu nerveux. Je te le cache pas. Y'a un mec, celui qui a buté la civile, il est parti là-haut là. Bien joué. C'était pas lui, c'est un autre. Fais gaffe. On the ground now. Get down. Ah, pardon. C'était lui. Vas-y, tu peux ouvrir, Rick. On the ground now. Get down. Hands in the air. Hands up. Oula. Fais gaffe, y'a un mec là. Je sais que t'es au niveau du civil. J'en ai pris une. Ah, je me soigne. Ils sont énervés dans ce labo. Hein. Get down. Il bronche pas. Quelque chose cloche, il dit. Putain, hey, j'ai tout mis à côté exprès pour qu'il lâche son arme. Il dit quelque chose cloche. Quelque chose cloche. Le mec, il a pas fumé, tu sais. C'est bizarre, ça tient à côté de moi. Bonjour, madame. Je veux juste que tu coopères, madame. Fais gaffe, il y a un petit jeune qui est parti en courant là. Ouais. Au fond là. Get down now. On the ground now. Get down. Un mec armé qui s'est barré aussi. C'est bon, c'est désarmé. Vas-y, check la porte en dessous là. Ok, un civil. Get down now! Il y a deux mecs qui sont barrés. Hein. Par là. Get down. Il y a lui là. Get down now! Traité. Get down. Civil sur la gauche, le menotte. Allez, Rick, faut qu'on y arrive, Rick. Où est-ce qu'ils sont? Tu en as ici. T'as une flash? Non, j'ai une smoke. Là, j'ouvre. Hands up! Hands up! Get down now! Bien joué. Oh! Putain, tu tapes trop fort, Rick! Oh, deux petits coups! Depuis que tu pousses la fonte, t'as trop de force dans les bras, fais attention. Il s'était rendu en plus, je suppose. Oh, on est mal. Qu'est-ce qu'il y a?
Il me reste encore une smoke si tu veux. Yeah, il tient, on joue l'otage. Oh punaise. Vas-y. Alors, brèche. Vas-y, fais une brèche. Je vais essayer de la voir sinon au loin. Se décale pas sur la gauche. Oh wow wow wow. C'est bon, traité. Bougez pas, madame. Y'a un mec sur la droite, fais gaffe. Ouf, je recharge. Putain, la dame, elle a eu chaud, hein. Vous pouvez nous dire merci, madame, hein. Mais non! Oh mais non! Qu'est-ce que t'as fait, John? C'est pas moi, c'est lui qui a tiré sur le civil. Il lui a mis une balle en pleine tête. Hands up! Hands up! Hands up! Utilisation de la force non autorisée, t'es sérieux? Il nous tire dessus, il nous rush avec le Uzi, faut qu'on soit tranquille, quoi. Non mais attends, on va discuter avec nos chefs, hein. Ça va pas, là. Ouh! Je recharge. Get down, hands in the air. Moi, je peux pas ramasser. Ah, c'est bon. Drop your weapon. Get down now. C'est quoi ici là? Left. Fais gaffe. Hands up. T'as un visu là, tu le vois le mec là? Le firme. Get down now. Ça va. Traité. Bien joué. Ah ouais, ok, bien vu. Il y en a du monde ici, hein. Ils avaient dit 12, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus, hein. Police, drop your weapon. Get down, no. Oh, non. Non. Ah, je suis deg. Get down, hands in the air. Vas-y Wolf, essaie de voir si tu peux terminer. Attends, comment je fais pour F pour observer. Vas-y. Ah, je suis deg. En fait, j'ai tiré dans le meuble. Salut Aquaman. Ah, je suis trop deg. Vas-y Rick, fais le taf. Il n'a plus resté beaucoup, je suis juste blessé, t'inquiète. Il n'y a plus rien Wolf dans celle-là. Ah, je sais pas, moi j'ai pas vu. Ah, je sais pas, tout à l'heure t'étais à la fenêtre. Oui, mais j'ai vu que la partie de la fenêtre, tu vois pas toute la pièce. C'est Ready or Not 1990, ouais, c'est ça. C'est SWAT 1990. Par contre, faudra que tu ramasses l'arme en haut. Vas-y, Eric. Get down, hands in the air. Je suis blessé. T'occupe pas de moi, Rick. Ça va le faire. Mais y a pas d'arme. Non, dans la pièce au-dessus, là. Lui, là. Ah, c'est le dernier. C'est le dernier, Rick. C'est le mec qui arrive à voir de là-bas, quoi. Oh, t'as plus d'explosion. Oui. Il restera dedans. Non. Ah oui, quand même. Tu peux péter la serrure. On the ground now. Hands up. Get down. Yes. Là, c'était chaotique. Mais vraiment chaotique. Mais pas facile celle-là. Hein. Oh là là. Moins 5005 qu'on a fait quand même. En pénalité. Ah non, là, franchement, elle est pas facile celle-là. En fait... Dites-vous que là on essaie d'avancer dans l'histoire et après voilà si l'envie nous prend on les refera mais pas facile celle-là. Bon allez on continue l'histoire. Gwen, ça va? Oui oui, merci Rick. J'avais tellement peur que je n'ai même pas. C'est bon, tu es en sécurité, c'est le plus important. Mais je voudrais te poser une question avant que les enquêteurs n'arrivent. Très bien. Je t'écoute. Oh, attention, il y a de la scène cinématique. Les assaillants t'ont-ils dit ce qu'ils voulaient? Oui, ils voulaient tout ce qui était lié à l'affaire Stasisnetsky.
J'en étais sûr. Et est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Oui. Et ils ont trouvé les preuves. J'ai bien peur qu'ils aient tout détruit. Je suis une bonne actrice et je suis tellement désolé. Ne t'inquiète pas. Tu n'aurais rien pu faire. Bon. Tu te souviens peut-être des résultats d'analyse? Au moins un détail qui pourrait nous aider. À vrai dire, oui. Oui, je m'en souviens. Nous avons trouvé des traces de scopolamine en analysant l'échantillon de sang de Kevin. Il s'agit d'une drogue qui affecte le système nerveux. Et si vous croyez aux légendes urbaines, vous permet de faire plier le libre arbitre de la victime. Quoi? Sérieusement? Quand as-tu découvert ça? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu immédiatement? Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un rapport il y a presque une semaine. Étrange. C'est la première fois que j'en entends parler. Écoute, garde cette histoire de scopolamine entre nous, compris? Quiconque qui est responsable fait tout son possible pour effacer les preuves. Peu importe le nombre de victimes que ça incombe. Essaie de rester en sécurité pour l'instant. Les renforts vont arriver. Ils sont copiés de toi. John et moi, on va devoir tirer tout ça au clair. Ok. Ah, donc, je m'attendais pas à la doubler comme ça, elle.